Donc cette session va couvrir la suppression de contenu d'Internet par Chloé Barthélémy et un gentil garçon. Applaudissez-les pour nous. Merci. Merci et bienvenue à tous. Donc, commençons. Nous allons parler de retirer les contenus, la régulation des contenus. Les 40 minutes suivantes vont parler de un des plus grands débats que nous allons avoir dans l'Union européenne depuis mes 10 ans d'expérience. On va commencer par les bases. Dans la intermediary liability, qu'est-ce que c'est? Donc, si vous allez dans les médias classiques, si vous vous publiez dans un journal classique, vous êtes responsable des intermédiaires qui publient dans ce journal. Donc, les lois se sont développées depuis des centaines d'années pour les journaux, la télévision et tout type de médias. Mais cette logique ne s'est pas portée au niveau d'Internet. Et il y a eu pas mal de cas de figure. En Europe, dans les années 90, où on a dit que les fournisseurs d'accès à Internet étaient responsables de leur contenu, tout comme un journal, donc comme en Italie ici dans cet exemple, des services ont été confisqués, des milliers de services ont été arrêtés pour fermer le service. Il y a eu un service également en Allemagne avec CompuServe où le CEO, donc le directeur général d'un fournisseur de services à Internet, a même été condamné pour criminalité aggravée, pour avoir diffusé des contenus pornographiques. Le résultat de ces flous juridiques, c'est qu'en an 2000, le Parlement européen et le Conseil européen ont voté une directive pour limiter les contenus électroniques, surtout au niveau du e-commerce, donc du commerce sur Internet, qui s'étendait énormément à Internet. Cette directive a été créée à une époque où très peu de gens avaient accès à Internet et où les contenus globaux, comme aujourd'hui, n'existaient pas. Donc, un des articles, l'article 14, dit que les sociétés ne sont pas responsables du contenu que leurs utilisateurs ont publié, sauf s'ils étaient au courant. Dans ce cas-là, ils doivent agir le plus vite possible pour le retirer. Et ça, c'était le modèle européen jusqu'aujourd'hui. On peut aussi se dire que cette responsabilité d'intermédiaire, c'est un peu comme l'épée et le bouclier. Donc, cela protège comme un bouclier. Si un problème arrive, il faut le résoudre, mais vous n'êtes pas obligé de passer par tout le processus de toutes les choses qui potentiellement pourraient être mauvaises. Donc, ce bouclier donne la possibilité d'avoir une forme d'indépendance, mais cette responsabilité d'intermédiaire, c'est aussi comme l'épée qui donne le pouvoir et la possibilité de modérer à leur guise. Et le problème, c'est que si vous n'utilisez pas l'épée trop souvent, on va aller vérifier votre bouclier. C'est un peu pour aller au bout de l'analogie, ce qui se passe aujourd'hui. Un des exemples qu'on a en Europe, c'est la directive sur le copyright
qui est représenté par cette vidéo. EU politicians are about to pass a law which they say is supposed to combat unauthorized copy. In pursuit of that goal, they're about to make a fundamental change that would affect all of us. It all comes down to the main question: who is liable for files illegally uploaded on the internet? So far, the person uploading illegal copies is also the one responsible and liable for the crime. It's like when a crime is planned over the phone. That doesn't make the phone company responsible. Today's legislation makes sense. Nowadays, everyone can communicate and share with the whole world. It's simply impossible for websites to manually preview each one of the billions of images, videos, texts, audio files you post online. But that's exactly what the politicians want to change. In the future, as soon as something goes online, the site would be just as liable as the person who posted it. So what you may be thinking, why is that a problem? Because then the only way for websites to operate legally would be to verify every single post by every single user, assuring that it doesn't infringe any copyright worldwide. If they cannot guarantee that, it cannot go online. But it gets worse. This new law is not only demanding something technically impossible, it's also threatening one of our fundamental rights, namely freedom of expression, without unjustified censorship. But no program can tell for sure whether a parody, commentary, or remix is legal or infringing on copyright. Making these decisions today takes lawyers, judges, and long trials. And yet websites will be expected to somehow make them automatically millions of times a day. To avoid massive fines, the platforms will have to filter extremely strictly, and a lot of perfectly legal content will get caught up in this filter. But unfortunately, technical feasibility and censorship are not the only problems. Before this bill has even passed, the EU Commission has already presented an even further reaching law. This one would require filters for so-called extremist content, with each post having to be checked with law enforcement agencies. We're talking about nothing less than EU-wide internet censorship machines. What could possibly go wrong? La vidéo résumait l'article 30. We could find the internet in Europe scrubbed clean of anything challenging, surprising, correction 13. Or enlightening. The big winners of this new law would be multi-billion dollar companies like Google or Facebook, as their budgets would still allow them to implement the new guidelines. All smaller platforms would only be able to further offer their services if they use the filter systems provided by the big corporations. The smaller companies will have to trade in their data, which would make the big players even more powerful. All of us would be the losers of this new legislation, because structures that make the internet so diverse today would die tomorrow as a result of this law. If you want to stop this dull and miserable filter net, you have to take action now. These websites tell you how. Call your representatives in the European Parliament today and tell them that you will only vote for them in the 2019 European elections if they vote against public filters. On n'a pas pu convaincre le législateur de ne pas adopter cet article. Mais avant de continuer à parler de cela, on va repasser au problème de l'Internet actuel. The ancient rule, the rules from the e-commerce directive needs to be fixed. Why does that? Today's intermediaries are very different from the ones from the 90s, obviously. We now are witnessing what we call... On a vu que les acteurs d'Internet actuellement ont tellement grandi qu'ils ont une sorte de monopole et Internet est maintenant centralisé autour de quelques corporations absolument gigantesques qui dominent Internet.
second problem is there are many, many more people online today than used to be. Everybody can post content 24/7 online, and can possibly reach a global audience, even that for free. And this is quite overwhelming. I mean, this is how it translates into numbers. And this is how the online communications landscape. Voilà quelques chiffres. So million, even billions, users whose il y a des milliards d'utilisations dont le contenu est posté sur les intermédiaires que vous voyez ici au tableau. Ces entreprises sont évidemment très puissantes. Elles peuvent modérer tout le contenu qui est posté sur leur plateforme. Ces milliards d'utilisateurs sont assujettis à ces entreprises dans leur communication. Et c'est absolument néfaste pour la diversité des normes culturelles dans le monde. Tout le... Which viewpoints gets visibility and which does not. Ces entreprises ont donc un pouvoir énorme. Elles décident, elles, de ce qui va être autorisé sur leur plateforme ou pas. Il y a des termes, il y a des lignes directrices qui sont publiées et ces lignes directrices sont un énorme problème de liberté d'expression. Ces contenus, grâce à leurs grandes équipes de modérateurs, se comportent un petit peu comme une sorte de cour suprême. Là-dessus, il est important de comprendre plusieurs choses. Les lois auxquelles nous sommes habitués, qui régulent quel type de discours est acceptable ou non, sont toujours contagieuses. Elles disent que tout type de contenu est légal, mais que les contenus haineux sont interdits. Mais il faut absolument protéger les formes d'expression qui peuvent soit faire débuter des mouvements, provoquer des manifestations, ou commencer une sorte de mouvement de contestation. C'est très important. Mais ces lignes directrices qui se trouvent sur les grandes plateformes ne sont pas des lois. Elles ne s'appliquent pas à tous les citoyens. Et c'est important parce que les changements de les lignes directrices risquent d'être contagieuses et donc d'arriver sur et de devenir des lois. Une vidéo qui est très populaire chez les jeunes a publié les lignes directrices de modération du réseau social TikTok. Ce qu'ils ont découvert est que cette plateforme limitait consciemment la portée des contenus postés par des personnes porteuses de handicap. Les vidéos de ces personnes n'atteignent jamais une grande audience. Même quand ces plateformes essayent de faire la bonne chose, par exemple, être inclusive, au final, il se trouve que sur certaines plateformes, les personnes de couleur ont moins de portée que les autres. C'est parce que la technologie est incapable de détecter les différentes nuances du langage. Avant de vous présenter ce qui va se passer au niveau européen, on va regarder, on va regarder ce qui s'est passé dans l'année précédente. On a l'Union européenne qui a un objectif de nettoyer Internet et de tacler les contenus
à nettoyer. Donc nous, on voulait vraiment gagner cette bataille par rapport aux directives de copyright, mais aussi parce que dans les débats sur la régulation de contenu, c'était important de lever les directives sur le copyright. On a aussi la régularisation du contenu terroriste qui va probablement entrer en service l'année prochaine. On a aussi une directive sur les services audiovisuels et médias parce que on a des sociétés qui outsourcent ou qui la réalisation de médias. On a le code de pratique et, sur la désinformation où on veut réguler les contenus qui promulguent la désinformation. Les États membres ont vraiment appliqué la loi. Le premier pays à avoir mis en place la loi contre les textes qui promulguent la haine, c'est l'Allemagne qui a mis ça en place déjà. Pour le copyright, on a pas mal de pays, incluant la France et la Croatie, qui l'ont déjà mis en place récemment. Le problème de ces lois, c'est de définir ce qu'on doit bloquer ou non, de définir des règles. Les sociétés n'ont pas à respecter les lois sur les régulations européennes. Si elles sont basées en dehors de l'Union européenne et qu'elles ne font que délocaliser la gestion des contenus. Ici, on voit quelques éléments importants comme mettre en place des termes de service, des conditions d'utilisation plutôt que de respecter la loi. Et créer des contenus qui sont propres de contenus illégaux et dans un premier lieu. Et comment peut-on appliquer du coup ces règles envers les sociétés en mettant en place des amendes très élevées? Comment ça fonctionne? Certains types de contenus sont certains contenus sur les Il faut que les plateformes soient vraiment incitées à ne pas bloquer tout ce qui est posté sur leur site. Ensuite, il faut éviter la complexité. Il y a ce cas où L'Oréal a vu que des produits contrefaits étaient vendus sur eBay, a porté plainte et a perdu. En fait, il fallait que la responsabilité de eBay doit être protégée. Mais le problème, c'est que tout ça est de plus en plus compliqué. Où se situe la limite? Aux États-Unis, la loi contre les trafiquants sexuels a été votée et personne, ou du moins lors des débats, personne, les démocrates ou les conservateurs, n'a réussi à se mettre d'accord. Personne ne voulait
Tumblr a supprimé des milliers de blogs avec des contenus explicites et promulguant le trafic sexuel. Et les plateformes devraient se responsabiliser avant que ce genre de problème se produise. Ici, on a Medianama qui propose aussi une règle sur la responsabilité des intermédiaires qui... NextDG a été copié déjà par 70 pays, incluant la Russie en premier lieu. Quand nous, c'est vraiment compliqué de faire les choses bien ici, mais je pense que l'Europe a la meilleure base pour mettre en place ce tri de contenu. Donc, qu'est-ce qui vient sur nous? Depuis 2000, la directive sur l'e-commerce a pas mal évolué. On a eu beaucoup d'affaires légales depuis, mais on a aussi eu des discussions pour rouvrir le texte ou le compléter avec des nouvelles législations. Rien de concret vraiment n'en est sorti, mais avec la nouvelle commission qui est en place depuis le 1er décembre de cette année et sa nouvelle présidente, c'est confirmé que la directive d'e-commerce de 2000 va être mise à jour et ça va s'appeler l'acte de services digitaux. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette future directive? On ne sait toujours pas pour le moment, mais on a pas mal d'idées qui sont sur la table. Parmi elles, on va peut-être regarder la définition des intermédiaires. Qu'est-ce qu'on appelle un intermédiaire et comment les catégoriser? Essayer de mettre à jour la définition précédente et sensibiliser les nouvelles sociétés qui sont arrivées depuis 2010, par exemple. On va regarder les principes fondateurs de la directive de 2000, comme l'article 15 qui oblige aux services de faire du monitoring proactif sur leurs contenus, les contenus postés par leur plateforme. Ça, c'est très important parce que ça va définir si on peut vraiment respecter ceci ou pas, car par exemple, la directive de copyright va à l'encontre déjà de cette régulation. Et ensuite, la modération des contenus qui doit être régulée de manière proactive également. Un autre élément, c'est basé sur des fuites sur la rédaction du nouveau document. Il y a pas mal de gens ici qui travaillent dessus et qui traitent les idées qui sont traitées. Donc, les règles pour la publicité en ligne sont importantes parce que on a des plateformes dominantes qui utilisent ça comme méthode principale. Donc, on a besoin d'une régulation proactive, mais pour ça, on a besoin de plus d'informations et de plus de données. L'interopérabilité est un outil important pour la concurrence. Le problème, c'est pas vraiment la décentralisation, c'est vraiment l'interopérabilité des plateformes où on peut mettre en place des protocoles entre les plateformes comme pour Signal et Tréma qui sert à mettre en communication des personnes. C'est pas un couteau suisse qui va résoudre tous les problèmes, mais si c'est appliqué à des cas de figure particuliers comme des problèmes de vie privée ou de sécurité, je pense que ce serait vraiment un élément visionnaire pour un Internet européen qui est décentralisé, ouvert et pas distribué entre la Chine et les États-Unis.
Un autre élément, ce que les gens veulent voir, c'est l'accès aux données. Par exemple, les données de taxation d'Airbnb. Airbnb qui ne veut pas collaborer et qui ne veut pas donner ses données d'imposition. Et enfin, un régulateur de plateforme européen sur le réseau qui permettra de gérer cette régulation. Et donc, je pense que ce n'est pas encore fixé, mais on va avoir un régulateur européen au sein de l'Union européenne. Pourquoi le nouveau DSA sera comme une constitution pour Internet ? Pour terminer, pour compléter notre représentation, pourquoi est-ce que c'est important ? Chloé et moi, on travaille depuis longtemps sur les stakeholders qui sont dans le débat. Donc, on a bien sûr les GAFAM, donc l'industrie de la Silicon Valley. On a l'industrie Internet européenne. Et on a les service providers, les fournisseurs d'accès à Internet et les fournisseurs de cloud. Et on a bien sûr les médias classiques. Il y a les médias classiques qui doivent aussi jouer leur rôle. L'industrie du divertissement qui est la principale détentrice des droits d'auteur. Ah, pardon. Et bien entendu, les fournisseurs de filtres d'upload. Audible Magic, Facebook, Google, qui ont d'énormes intérêts financiers dans ce dossier. Ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi les magasins qui ont pignon sur rue, les taxis, les hôtels, etc. Tous ceux qui participent à l'économie ponctuelle. Mais il y a aussi la communauté des droits numériques. Nous avons notre rôle à jouer. La responsabilité, l'interopérabilité vont changer le paysage de l'Internet tel que nous le connaissons. C'est pour cela que je pense que nous devons vraiment nous engager là-dedans. Il y a aussi la communauté des droits humains et aussi tout type de groupes marginalisés. Toutes les organisations antiracistes, toutes les organisations antiracistes, féministes. Il faut que tout le monde travaille ensemble pour faire la mer de, ou plutôt un énorme débat sur les droits numériques. Ça va être très difficile. Quand devrions-nous être prêts? Il y a des rumeurs qui disent que la première consultation publique se tiendra au début de l'année prochaine, à laquelle tout le monde peut participer, vous y compris. Le premier projet sera probablement publié fin 2020 par la Commission européenne. Puis le texte doit aller chez les deux co-législateurs, le Parlement et le Conseil. Chaque institution va devoir trouver sa version du texte. Et donc, nous pensons que les négociations entre toutes les parties auront lieu après 2022 et ensuite l'adoption quelques années plus tard. Les années 90 nous ont montré que il fallait que il y ait des règles. Parce qu'on a bien vu qu'Internet n'était pas gravé dans la roche. Et là, les choses sont en train de changer. Il faut voir les choses en face. Et on a bien vu dans tous les process européens que plus tôt on s'asseyait à la table, mieux c'était pour la collectivité.
Et il faut vraiment se retrouver bien avant que les consultations commencent pour vraiment se mettre d'accord sur ce que nous allons donner comme argument. Ce site que vous voyez affiché a été mis en ligne à ce titre. Nous espérons voir de nombreux débats constructifs sur ce site. Enfin, EpiCenterWorks est une association dont le fonctionnement est basé sur des dons. C'est en général quelque chose qui est loué chez nous parce que la plupart des gens peuvent ainsi voir que nous sommes réellement indépendants. Nous ne dépendons pas de grandes corporations pour le financement. Et si vous voulez soutenir, vous pouvez aller sur support.epicenter.works. À mon tour. Si vous voulez recevoir des mises à jour, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter que vous voyez affichée à l'écran. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ainsi que EpicenterWorks. Merci beaucoup. Donc, si les lobbies sont impliqués, comment est-ce que vous réagissez à ça? La liberté d'expression, c'est un droit de l'homme, mais... Oui, c'est compliqué. C'est une vue assez simplistique de voir que on parle de contenu publié qu'on supprime ou qu'on enlève. C'est pas ça, c'est l'algorithme de création qui le met dans le feed directement, donc qui décide ce qui va aller dans un feed ou qui va être publié. Si un contenu est supprimé, est-ce que les autorités vont être informées? Est-ce que ça peut être une preuve pour documenter de la pédophilie, par exemple? Donc, la suppression, du coup, n'est pas la meilleure solution. On n'a pas eu assez de temps pour rentrer dans tous les détails, mais les différentes polices qui sont proposées rentrent dans ces détails. Il y a plusieurs dossiers dont nous ne sommes pas au courant, comme l'intelligence artificielle, la régulation de l'intelligence artificielle, qui pourrait rentrer à l'intérieur de la nouvelle proposition de DSA. Ou ASN en français. Autre question, peut-être une question d'Internet. Bonjour. Est-ce que la loi exige de Facebook et de surveiller les choses qui sont envoyées sur des groupes privés? Si vous parlez de groupes WhatsApp, groupes Facebook privés, etc., ça dépend du nombre de gens. Par exemple, en Autriche, si vous avez plus qu'un certain nombre de gens, c'est considéré comme un forum public. Donc si vous faites par exemple du négocianisme de l'Holocauste, eh ben, ça sera jugé différemment. Mais le problème, il est là. Qui juge? Dans un groupe WhatsApp chiffré de point à point, ce n'est pas le cas. Merci. Il y a une autre question.
Bonjour, je viens des États-Unis. Je travaille pour un fournisseur d'accès indépendant qui connaît 6% de trafic Tor. Donc, je vois beaucoup de trafic sur ce réseau. Et je ne sais pas ce qui transite. Donc, comment est-ce que je peux m'engager? Et qu'est-ce que je risque? Donc, je pense que vous tombez dans la définition des intermédiaires de conduit. Et parce que vous ne faites que fournir des tuyaux, si l'on veut, vous ne n'hébergez rien. Les règles que j'ai énoncées tout à l'heure avec la responsabilité ne s'appliquent pas à vous. Je pense que vous êtes mieux protégé. Sur le DSA, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont modifier les règles qui s'appliquent aux fournisseurs d'accès. C'est différent que ceux qui hébergent des blogs, etc. Merci. Question suivante. Vous avez donné une interprétation sur la loi qui régit comment la publication marche sur Internet, mais vous ne pensez pas que ça changera aussi la manière dont nous innovons, parce que ça change la manière dont nous publions sur Internet. Peut-être que ça nous permettra d'échapper à de nombreuses responsabilités, justement, et c'est peut-être pas une mauvaise chose. En fait, ce qui se passe, c'est que toutes les plateformes meurent et tout le monde reposte des sites web. Le truc aussi, c'est quand est-ce que ces discussions auront lieu? Même quelque chose comme Mastodon sera impliqué par ces législations. Toute sorte d'interaction tombera sous le coup de la loi. C'est pour ça que l'interopérabilité est une bonne chose. On va pouvoir débattre sur la centralisation versus la décentralisation. Je suis désolé, je vois que vous avez d'autres questions, mais il va falloir leur poser sur Twitter ou par mail. Applaudissements. Applaudissements.